Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cactus RC et aujourd'hui tu as deviné, c'est colis et c'est colis. Salut. Celui-là je suis très pressé de l'ouvrir, mais pour vous ça sera plus tard. Moi ça sera tout à l'heure. On va commencer par deux colis. Un qui vient de chez Charles, RC Garage 57, si je dis pas de conneries. Je ne rappelle jamais les numéros de chacun. Et de notre ami Kosyuke, alias Katsumi. Du coup, ça c'est pour un de mes Obao. Lequel je ne sais pas encore. Je suis en train de regarder pour faire tous les setups suspension. Et Kosyuke, il m'a envoyé 4 ressorts de Obao Hyper MT. Donc des ressorts durs, c'est des ressorts blancs. Et alors, plusieurs possibilités. Soit à l'arrière pour le cage. Comme ça écrase, ça a tendance un peu à écraser facilement, et encore je dois aller l'essayer. On verra ce que ça donne. Soit pour le Obao 8SC numéro 2. Lui actuellement il est équipé de 4 ressorts longs d'origine et à l'avant de couper le courte de Hyper MT. Donc je pense que on va tester les ressorts blancs à l'avant. Mais je dois d'abord aller essayer comme ça, voir ce que ça donne. Là, on est plutôt pas mal, il écrase un peu encore à l'avant. Et l'idée c'est de plus avoir l'avant qui écrase, mais voir si ça ne fait pas partir à l'arrière sur les sauts. Voilà, voilà pour le premier colis. Ben encore merci, parce que notre ami Kosyuke m'a envoyé ça gracieusement, sans rien demander. Donc un grand merci à lui, ça fait toujours plaisir ce genre d'attention. Lui, il va rester sur le côté. Et ça, pareil, Charles, il participe à la tombola des Bracas pour le Val d'Argent. Et en fait, il m'a envoyé un petit colis pour compléter le buggy. Donc le buggy qui est ici, qui sera à gagner le jour de l'événement du Val d'Argent à Liévre, je crois que c'est le week-end du 5-6 juillet. Donc pareil, quand j'ai équipé ça, Charles est passé, il m'a dit tiens, j'ai ça pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Et forcément, ça m'a intéressé parce que ça me manquait pour ce véhicule. Donc c'est vraiment sympa de sa part. Je sais pas s'il y a autre chose dedans. Du papier, du carton. Et un manche. Et un bout de radio. Et un récepteur. Et là, des stickers Charles RC Garage 57. J'avais raison. Donc, hop, carton, c'est dessous. Ça, c'est là. Donc, on va coller direct les stickers avec les poteaux. Tac. Et voilà. Hop. Charles, il est en place. Ça, avec le reste. Donc Charles, il a offert pour la tombola une radio. Donc initialement, c'est un véhicule pour un petit. Donc, petite radio. Alors, faut que je regarde comment ça fonctionne, les piles, on les met où? C'était dans le manche, par exemple, je pense. Et en plus il y a les piles dedans, super cool, merci de ta part. Alors, ok. Et bien, on va le monter tout de suite et on va essayer ça
Comme ça, le véhicule sera prêt pour le Val d'Argent. Mais je vais quand même l'essayer d'abord. Faut pas déconner. Et pour aller avec ce véhicule, il y a une autre surprise qui arrive. Signé Elsass Body RC. Donc vous avez compris ce qui va arriver. Hop, là, je mets quelques cols de train avant en avance. Donc là, ça va être un véhicule RTR. Il manquera juste une lipo. Et ça sera prêt à rouler. Ben, à la limite, on verra avec Mani. Mais bon, voilà, je vais pas aller pleurer et dire « Ah, me manque une lipo, je fais une tombola, j'ai besoin d'une lipo, d'un châssis, de nana. » Non, tout ce qui m'a été proposé, on m'a rien demandé en échange, j'ai rien demandé. Donc c'est super cool que ce soit Charles, Elsass ou toute personne ayant participé. Je suis allé pleurer nulle part. Comme certains pourraient faire. Alors voie 1, là, voie 2 ici. Le problème c'est que là, il est vraiment tout, le câble est vraiment très court. Et mes doigts sont trop gros pour la tenir. Je parle bien de la prise. Ici le blanc à l'intérieur, hop, un aveugle, c'est branché. Ok, maintenant on voit la direction, le blanc à l'intérieur, hop, c'est branché. On plie tout ça. Ça passe super bien, le récepteur ne bouge même pas. Ça, je vais pouvoir bientôt la tester cette voiture. Bon, genre, moi je la connais très bien, hein. Mais au moins je pourrais savoir si tout va bien, s'il n'y a pas un truc qui déconne. Et là je pense que le pignon moteur, je vais le changer parce que je vois qu'il n'est pas parfaitement aligné avec la couronne. Mais ça, à la limite, c'est pas trop grave, du moins qu'il y a suffisamment de prise sur les dents. Lipo, qu'est-ce que j'ai de charger? Je sais pas. Si j'ai une 3S, est-ce que c'est chargé? Je sais pas. C'est bon, c'est chargé. Il faut un bouig-bouig. Hop. Pour adapter. Une 3S en 5400, ça passe parfaitement. Et de toute façon, le récepteur, pas le récepteur, l'ESC ne prend pas plus. Ok. La radio. Ah, déjà, on a le tri qui est à l'ouest. Alors, trim plus, ça tourne dual rate. Ha. Comment elle marche la radio? Déjà, est-ce que ça... Ça, c'est bon. Alors, les voies sont inversées. Alors,
putain, comment elle marche cette radio? C'est pas ça. C'est pas comme ça. Ça tourne, il est là, ça tourne, ok. Ça tourne prime. Reverse. Toujours pas. Faut que je prenne un outil, je pense. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette radio? Carson, FX Wheel. Je suis à droite, ça part à gauche. J'ai un reverse ici. Un TH, un dual rate et un stream, steering. Un plus, moins, 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 plus. Je sais pas comment elle marche. C'est pas ça. 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 C'est pas ça non plus. Aïe. Ça commence bien. On passera plus tard, hein. Allez, on va recommencer. Radio. Et on allume. Alors. Donc ça, c'est le... Ok. Toujours pas. Toujours, c'est pas ça. Reverse. Direction. Non, ben, je sais pas comment on fait. Je vais couper, je vais regarder sur internet et on reprend. Ouais, c'est bon. Après un quart d'heure, j'ai trouvé comment faire. En fait, c'est tout simple, mais j'ai dû télécharger un outil en anglais et en allemand. C'est le seul endroit où j'ai trouvé. C'est la seule langue dans laquelle j'ai trouvé. Donc, pour inverser la direction, il faut appuyer simultanément sur Trim Plus et Reverse. Et du coup, maintenant, pour la droite, je vais à droite. Et pour les dual rate de la direction, il suffit de braquer à fond et d'appuyer sur plus ou moins. Et ça va juste. Bon, après, j'aurai les trims à faire. Et voilà, donc du coup, là, c'est parfaitement réglé. Je vais pouvoir aller l'essayer. On va essayer de ne pas la salir. Et voilà. Donc je vais la rouler une fois ou deux. Je passe sur route. Manière de voir le comportement. Et là, je vais voir si ça ne chauffe pas de trop. Et comme ça, il ne restera plus que un. Enfin, pas un colis, mais une modification à lui faire dessus. Et elle sera prête pour le jour J. Pour tous ceux qui seront présents sur place, les modalités ne sont pas encore établies à 100%, mais
Il y a donc ce buggy à gagner et potentiellement d'autres véhicules à gagner. Mais ça, je n'en dis pas plus parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Sur ce, à plus sur Cactus RC.